Et salut tout le monde, c'est Jack9, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo d'avant-veille de patch. Voilà, on va parler de tout ce qui risque d'arriver demain, avec plusieurs annonces que Fortnite ont fait justement à l'instant, et on va tout de suite commencer. D'abord, pour éviter que je me répète, voilà, j'ai fait une vidéo samedi, si je me trompe pas, dans laquelle j'énumère déjà pas mal de choses qui vont arriver dès demain, donc je vais pas les reprendre pour éviter de me répéter. Donc si vous ne les avez pas vues et si vous voulez être un peu plus curieux, n'hésitez pas à aller les voir, vous aurez d'autres informations complémentaires à cette vidéo. Aussi au passage, petite vidéo fun que j'ai faite avec ZRK, Liden et Iraptor, voilà, sur le mode de jeu Murder Fortnite, que j'avais déjà fait il y a longtemps, et voilà, j'ai fait enfin l'épisode 2, donc n'hésitez pas à aller le voir, en plus c'est sur Nuketown, et n'oubliez pas le petit code créateur Jack9, merci à tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui le mettent, voilà, merci à tous, on est 8000 à peu près en ce moment même, donc merci à vous tous. Comme je vous le disais, Fortnite a commencé à nous annoncer 2-3 petites choses, et une chose qui pourrait faire encore peur. Alors on sait que l'épée a été désactivée, que oui, elle sera bel et bien plus jamais de retour, du moins temporairement, mais ils nous ont annoncé l'arrivée d'une autre chose, ça s'appelle l'aéroplanche, et la description est tout simplement: monter sur une planche et laisser vos concurrents sur place avec ce nouveau véhicule à une place. Alors, clairement sur l'image, on voit un quelque chose qui serait à mi-chemin entre le snowboard et l'overboard. Je parle pas de l'overboard à deux roues, hein, qu'on a dans la vraie vie, là, qui est nul à chier. Je parle bel et bien de l'overboard de Retour vers le futur ou du Save the World. Mais là, vraiment, on a l'impression d'avoir une planche de snowboard. Alors, comment cette planche sera? Je ne sais pas trop. Honnêtement, j'aimerais bien personnellement que ce soit un véhicule une place, mais qu'on puisse seulement l'utiliser entre guillemets dans la neige. Alors, est-ce que ça va contrer tout ce qui est justement avion et autres? Je ne pense pas. Par contre, j'espère juste que ça ne viendra pas remplacer le quad. Honnêtement, je pense que le quad est très utile. À l'heure actuelle, je l'adore. Je pense que c'est l'un de mes véhicules préférés. A l'inverse, je trouve plutôt qu'il faudrait plus remplacer le caddie. Le caddie qui est totalement inutile. Donc peut-être justement supprimer le caddie et rajouter cela. Je pense que ça pourrait être une bonne option. Et dans tous les cas, j'ai plus l'impression que ça va être une sorte de planche avec laquelle on pourra peut-être avancer tout en tirant. Bref, une planche vraiment pour les déplacements rapides. Et si c'est comme en Sauver le Monde, dès qu'on prendra des dégâts, justement dès qu'on réceptionnera des balles, et ben en gros ça nous fera automatiquement tomber de notre planche. Voilà, et on devra descendre automatiquement. Donc ça c'est quelque chose qui est possible. Après à voir, mais je pense que cela va nous donner d'autres moyens de déplacement. Et je pense que c'est pas négatif quand on voit à quel point les avions sont cheatés. La mise à jour, si vous vous demandez, elle arrive bel et bien demain. Tout simplement, on le sait grâce à un petit tweet des employés d'Epic Games, voilà, qui ont confirmé qu'un bug allait être résolu dans la mise à jour de demain. Voilà, donc ils ont donné la date indirectement en expliquant qu'ils allaient corriger un bug. Et aussi, si vous voulez vous en renseigner, il y a un petit concours pour créer son spray. Voilà, à l'heure actuelle, vous pouvez créer votre spray et il ne sera peut-être pas dans Fortnite, du moins c'est pas annoncé comme remise de prix, mais il y a pas mal de prix à gagner. Donc voilà, si vous souhaitez créer votre spray et gagner des V-Bucks, n'hésitez pas. Il y a toutes les infos dans la description. Je vais pas faire une vidéo pour ça, vraiment c'est bidon. Voilà, donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez les informations que vous avez souhaitées. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Jack9, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Et sur ce, à plus tout le monde. Soon as you hear this, from ATLANTA and all the way down to yo. Throw up in